cherchant qui dévorer. Voilà. Donc il cherche à vous dévorer. Il cherche à vous détruire. Il est comme un lion, comme un roi. Or le lion, c'est Jésus. Le lion de la tribu, il est comme un lion. Et pour lui, c'est de vous dévorer. De détruire ce qui est en vous. Amen. Vous savez pas que même une relation sexuelle, excusez-moi, avec quelqu'un qui est sorcier, le corps à corps, il prend quelque chose dans toi et ça va être. C'est clair. Amen. Amen. C'est terrible. Vous savez, il a peur. Le monsieur qui m'embrasse, c'est qui? Je suis content. Il a pris mon bois servant de dégay. Prends ton cerveau. Mmh, c'est dégay. Vous connaissez dégay? Yes. Voilà. C'est dégay. Et là, tu donnes ta bouche à tout le monde. Ah! Ça fait peur, il dit. Depuis, je suis dans l'affaire de sorcellerie. Là. Mm-hmm. J'ai fini par comprendre. Ah, mm-hmm. Nous sommes en danger permanent. Mais les petits enfants traînent les papas comme mouton. Moi, il m'a lui. Il m'a lui. Pourquoi il m'a attaché? Il était mangé. Le papa l'a préparé. Ils sont pas marrés. Il dit petit, il dit oui, attaché mon papa. Et puis, c'est bien. Mais bien dans la blessure. Il dit papa là, papa tu vois là, il a deux femmes. Il ne m'envoie pas à pied. J'ai mangé comme on dit, n'envoie pas. Il dit, je le prends. Je l'ai pris. Il a un enfant de 6 ans. Le papa le suit. Pardon. Il ne mange pas. Il ne me mange pas, donc il le délivre. Amen. Oui, il dit, il ne me mange pas. Le but est prêt. Il a fait son marché. On marchait bourreau pour le manger. Amen. Amen. Donc c'est important, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. La personne s'approche de toi. Je lui dis, l'élément clé doit être la crainte de Dieu sur moi. Est-ce que la personne m'approche un respect de Dieu? En autre cause, abandonne le sujet. La crainte de Dieu. Si vous voyez qu'il n'y a pas un bon retour, méfiez-vous. Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu pour détruire cette façon de se voir. La personne va penser à Dieu. J'ai envie de faire, mais Dieu est là. Vous savez que moi, les bouddhistes, quand quelqu'un dit les bouddhistes, ils le voient en sorcier. Ils ne croient pas à Dieu. Non, ils ne croient pas à Dieu. Ils croient à la nature. Vous savez ce qu'on appelle nature? Il n'y a pas un être qu'on appelle Dieu. Puis ma chère, toi, tu blasphèmes. Fais très attention. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire quoi? Il y a un bonheur. Il y a un dépôt de bonheur qui est en toi. Oh, les mystiques que vous voyez là. Et c'est ça qui les intéresse. Et dans leur planning, dans l'année, il y a des choses que je vous explique. Il y a combien de mois dans l'année? Ok. Vous savez que le chou 12, c'est un type très puissant. Je vous explique. Il y a 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? 12 tribus d'Israël. Jésus a eu 12 disciples. Or, le chiffre 12, c'est un puissant chiffre. Amen. Amen. Vous retrouvez combien de 6, non? 2. 2. 2, 6. Ok, 2, 6. Or, le chiffre, c'est le chiffre de l'homme, n'est-ce pas? Okay. Or, 2 fois, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de puissant. J'ai envie de vous expliquer un peu la numérologie. Moi, c'est un peu mon domaine. Hein. C'est mon domaine. Je vais t'expliquer chaque mois de l'année. Je vais t'expliquer. Je vais te dire, toi, tu veux faire commerce là. Ce mois-là est bon pour toi. Vas-y. Je suis là pour ça. Voilà, je suis là pour ça. Donc, 12 mois, vous savez. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont quelque chose en eux. Il faut recueillir 12 bénédictions dans la vie des jeunes filles. Non, il te regarde. Il peut mettre des centaines de mille, hein, pour seulement se nuire toi. Ils vont faire 2, 3, ils vont te faire croire qu'il y a 2, 3, et puis après ils zappent sur toi. Tu as l'impression, il est dedans là, mais il t'a déjà appris ce qu'il a envie de prendre. Oh, je parle du nom de cette là, elle est là. Pendant 12, ça veut dire qu'elles finissent, les 12 femmes à lesquelles on a eu, les jeunes filles ont eu des rapports, si vous avez dû le trou sur la terre ici, c'est 6 mois. Le monde dans lequel nous vivons là, hein,
C'est un monde méchant et dangereux. Ceux qui sont au sommet même de l'État sont des mystiques. Et ils nous voient comme des cabris. Ils nous voient comme des moutons, des gens détruits. Et tout ce... ils nous voient comme sacrifiés, des gens qu'on doit sacrifier, détruire. Le Mississippi, c'est ça. Le diable. Un guette. Il scanne. Il peut te donner une voiture, maison. Mais ce que tu vas voir dedans, c'est dangereux. C'est pour ça que vous allez le voir, la plupart sont des homosexuels. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le rapport. Pourquoi ils couchent avec les hommes? Pourquoi ils couchent avec les hommes? Ils disent, selon les dits, leur dit, c'est pas la femme qui est rentrée le péché. Donc quand on couche avec un homme, c'est pour ça que les homosexuels ne vivent pas longtemps. Dis-y. Ils prennent le pouvoir de l'homme. Or, ils travaillent avec la lune. Ils travaillent beaucoup la lune, la poisson lunaire. Quand la lune, dès que la lune sort, ils commencent à faire des rapports. Ils font semblant d'être voyants, ils font semblant d'être bisexuels. C'est-à-dire, ils ont la femme, ils cherchent un homme. Mais quand la lune commence à sortir, ils commencent à avoir des rapports avec des garçons, des hommes. Et quand ils ont des rapports avec un homme, ils prennent son pouvoir. Donc quand il y aura un rapport, ce monsieur, quand il y a un rapport avec une dame qui est mystique, les francs-maçons, quand il y a un rapport avec une femme, il prend forcément quelque chose dans ton corps, dans ta vie. Vous savez que le corps à corps, quand on se met corps à corps, c'est le partage d'esprit, de l'âme, exactement, tout ça. Exactement. Excusez-moi, je vais expliquer les choses. Non, c'est plus à l'aise. C'est important. Hein? Vous savez quel est le sperme que vous voyez là? C'est blanc, hein? C'est le sang. Hein? Or, les packs de sang sont les packs qui se brisent difficilement. Or, lui, quand il finit d'avoir des rapports, même si c'est avec des préservatifs, lui me va l'enlever, non? Excuse. Il va prendre sur le préservatif, la cachot qu'il a recueilli de la femme, et puis il va te travailler. Il prend toi tout, et tu te vois tenter de dégrader. Vous voyez, tu as eu les rapports avec un franc-maçon, un mystique. La vie. Ça vient de là. Toi, David, mais tu vois. Lui voit l'étoile qui va prendre toi pour relancer ses affaires spirituelles. Vous savez pas que quand la croissance lui lève bien, ils vont faire des points. Des rapports qu'ils ont eu les femmes, des alliances, ils vont renouveler leur alliance. Ils renouvellent leur alliance. Venez vers les gens, venez. Madame, ça va? Il dit quoi? Il dit, oh, est-ce qu'on peut se voir? Non, il n'y a pas le feu. Il a dit, il n'y a rien. Il n'y a pas le feu. Ok. Il me plaît tellement que je ne vais pas trop parler. Il ne parle pas beaucoup. Il tient sa vie. Et les gens comme ça, ils ne parlent pas. Ils ne sont pas là pour dire non, puis tu vas aller, ils ne parlent pas, c'est l'argent qui donne la réponse. Samy. Amen. Tu l'as dit, tu sais, moi-même là, je vois que tu es gentil. Est-ce que tu peux prendre mon numéro? Prends mon numéro pour m'appeler. Quand il t'appelle, il va te montrer. Il y a des femmes aussi. Ce ne sont pas les hommes, sont moi, il y a des femmes qui sont dedans. Il y a une femme dans un village, une fille. Elle. Quand tu dis maman, tu es bien, je. Elle dit, t'aime, c'est ça? Il t'aime la langue que l'État, je parle à la maison. Elle t'aime là. Dans ta chambre. Oui, c'est chambre, chambre. Oui, merci. Il parle comme ça, chambre. Chez nous, on dit chambre, chambre. Ou nous, on dit chambre. Elle dit, c'est quoi, je. T'aime. Vous connaissez ça? Allons, t'aime là, dans ta chambre. C'est là-bas, fait t'aime. Oh, t'aime que tu as vu là. Et t'aime là. C'est ton ami qui sort. Elle te sodomise. Prends. Vous allez voir, elle est là pour s'amuser. Vous voyez, c'est facile. Quoi. Elle ne s'est pas dit non. Ce n'est pas chez elle. On n'a pas créé un nom. Ça va? Elle dit oui. Elle dit quoi? Allons-y. Et puis dans la chambre, elle dit t'aimes. Or, pendant que vous êtes couché, c'est elle qui monte sur toi. Dans un village, elle a donné, nous on appelle ça coco. Et Maurice, la nuit, la sort. Et tout le monde est malade de ça. Elle a dit, mais c'est bon. Oh, dans le village, on la connaît.
C'est-à-dire quand, excusez-moi, quand un monsieur vient, il cherche, il veut. Il y en a. Il y a le village à combat. Elle a distribué ça dans le village. C'est dans les arbres, les gens sont laissés là comme ça. Mais c'est comme ça. Quand tu cherches, elle dit tout. Vous savez comment nous sommes en danger? Oui. Vous savez pas ça? Celui qui a copié de moi, qu'est-ce qu'il est? Il a chavé ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est propre? Amen. Amen. Que Dieu nous envoie des bons petits ballons vifs. Amen. Oui. Pour ça, quand vous êtes consacrés, les vilaines choses là, fuient. Amen. Quand ils vous voient comme ça, ils ont peur de venir. Amen. Parce qu'ils voient en vous la lumière. Amen. Parce que la lumière n'est pas composée, frère, avec les ténèbres. Mm-hmm. Quand tu es consacré, les ténèbres ne peuvent pas venir vers toi. Non, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça que c'est important, tout ce qu'ils sont en train de faire, de détruire ce qui peut les attirer. Parce qu'ils voient des choses qui ne les effraient pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Alléluia. Amen. Parce que si vous négligez cet aspect-là, ce contact, un contact bizarre, satanique, vous négligez ça, la personne vient de tout votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est possible avec Dieu. Il dit, le langage impossible n'existe pas avec Dieu. Ce n'est pas un langage qui est spirituel. Dieu, avec Dieu, tout est possible. C'est que toi tu veux là, c'est possible. Amen. Tu veux un bon type, c'est possible. Mais j'ai eu à me laisser aller. J'ai eu à me laisser aller. La personne est venue me laisser aller. Même moi, Dieu a commencé à ouvrir mon esprit. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai commencé à changer mon chauffeur. Je ne rentre pas dans les détails, je garde ça pour moi. Même mon chauffeur, il l'avait mis dans une affaire contre moi. Amen. Amen. Je suis très très prudent. Amen. Si vous avez cet esprit, Dieu vous envoiera les bonnes choses. Vous allez comprendre qu'il y a des choses qui ne doivent pas facilement entrer dans votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de nous bénir. Amen. De nous délivrer. Amen. Amen. Un contact bizarre. C'est sa connexion. C'est des connexions qui viennent nous détruire. Il faut que Dieu dégage de tout ça. Or, si tu constates maintenant qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est pas toi. Vite, 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 vite. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Je pense, même s'il pense qu'il est spirituel, il est temps. Mais tu vois que depuis que tu es lui, c'est toi. Il n'y a pas d'évolution, c'est pas tout. On va bien saisir. Amen. On va bien saisir. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Ne cherchez pas seulement le palais, mais celui qui t'envoie le palais, là, qu'est-ce qu'il pense de toi? Quand Saül a envoyé David dans le palais, c'était pour détruire David. David voyait tout, mais il ne voulait pas, il voulait maîtriser David. Oh, les gens veulent vous contrôler. C'est pour ça qu'il ne donnait pas des informations à n'importe qui, de votre vie. Or, quand les rois mages sont entrés à Jérusalem, c'est le palais qui les intéressait. Ils sont allés voir Hérode. Et ils vont parler de la vie de Jésus. Pour dire, nous avons vu l'étoile d'un grand roi, l'étoile d'un roi. Hérode a regardé, quoi? Dans ici, là, il y a l'étoile d'un autre roi. Allez, oui. Vrai, vrai, là, il dit lui. Comment ça? Oui, c'est là, le roi. Ok, on lui peut troubler lui et tout Jérusalem. Il y a des gens qui savent des choses sur toi, ils sont troublés. Parce qu'ils ne te voient, ils ne peuvent pas te voir avancer. Non. Pour eux, tu dois toujours en retard. On dit lui et tout Jérusalem. Donc, il met sa machine en place d'information. Allez me trouver l'endroit. Fait déjeuner les gens, ils mangent très bien, donnent l'argent. Ils sont partis. C'est arrivé là, Dieu a dit stop, ce monsieur est devenu sorcier. Amen. Amen. C'est pour cela que pendant aujourd'hui, là, il faut que je fasse tomber
des gens bizarres qui se sont introduits d'une manière bizarre dans votre vie. Je suis en train de faire un travail dans la vie d'une soeur. Je suis en train de détruire quelqu'un qui est venu détruire sa vie. Lui, moi, il fait ça. Amen. Si vous voulez, vous ne voulez pas. Moi, il fait les deux choses. Il arrache, il gâte. Amen. Hein? C'est comme ça. Vous voyez, c'est nous, les sorciers. Ce que vous faites là. Nous, on a fini ça. Hein? Vous venez vous gâter. Nous, on peut vous gâter. Vous savez, quand tu commences, là, il commence. Moi, c'est lui gâté, nous, on ne peut pas faire ça. Nous, c'est fait ça. Vous n'avez pas arrangé, non. Nous, on peut vous gâter. Comment vous arrangez? Il ne peut pas permettre que quelqu'un vienne dans ta vie, qu'on vit de toute ta vie. Pourquoi? Quand je découvre ça, j'envoie ça contre lui. Amen. 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 Une famille s'est liguée contre notre famille dans un village. Je pensais à tuer les gens. Je suis allé parler, j'ai maudit la famille, j'ai détruit la famille. Ils sont tous souvent en cascade. Amen. Amen. Non, non. C'est que si Dieu dit, n'est pas. Il faut laisser appeler de Dieu dit, il faut pouvoir attaquer l'ennemi. Laisse-moi moi y attaquer votre ennemi. Laisse un peu de Dieu dit la laisse. Amen. Amen. Dieu veut voir, on a qu'à prier béni. Il faut laisser. Il faut garder ce qui t'en est versé. Ça, c'est pour toi. Tout cela dans le village, en cascade, je les ai éliminés. Parce que quelqu'un m'a rentré dans ta vie, et pour rien, la personne te détruit. Te détruit ta vie. Te détruit. Te détruit. Te détruit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Te détruit. Or, la stratégie des héros, ils ne voulaient pas voir Jésus. Or, Jésus devait entrer à Jérusalem. Vous savez que Jérusalem, c'est la cité de roi. Or, lui voyait son trône menacé. Mais non, il est bébé. Il fallait le tuer. Or, ils ont mis quelque chose en vous. C'est ce qui les intéresse. Parce que Dieu a dit que vous avez puissance, c'est la famille. C'est vous qui, c'est vous qui Dieu a donné l'élévation. Amen. Et les gens comme ça, Dieu a choisi pour une famille. Amen. Tu ne peux pas contre ça. C'est comme David. C'est comme Joseph. Tu ne peux pas. C'est rien comme son Joseph. Tu ne peux pas. Tu vas peut-être retarder ça, mais tu ne peux pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et vous savez que ce sont les accusateurs de Joseph qui va élever. Vous savez ça? C'est la vérité. Madame Potiphar. C'est qu'à peu près David, Joseph allait en prison, puis il allait prendre les parents. N'est-ce pas? Amen. Ceux qui vous moquent, se moquent de vous là. Ils sont en train de vous élever. Amen. Amen. Ceux qui sont en train de vous accuser là. Alléluia. Amen. C'est maintenant pour lui faire dire. Grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ceux qui accusaient Joseph, pour accuser Joseph, accuser Joseph, puis en béni Joseph. L'accusation, hein, s'est retrouvée, puis Dieu l'a béni. Ils sont en train de vous accuser, ils sont en train d'attendre. Mais Dieu va vous élever. Amen. Parce que c'est à ça que vous êtes appelés, l'élévation. Amen. Qu'il veut ou pas, Dieu fera soi sur le trône. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous fera soi sur le trône. Amen. Par le trône. Amen. Ce trône là vous appartient. Amen. Personne ne pourra discuter ça. Amen. Parce que les gens comme ça, Dieu a choisi comme Joseph, comme toi. Or, celui qui veut prendre ce trône doit mourir. Amen. Ah, dis pas, mais qui a amen à un peu. Amen. Mourir, ça vous effraie. Non, non, mourir, mais bon. Vous savez pas que les gens, tant qu'ils ne sont pas morts, ne peuvent pas être bénis. Vraiment. Amen. Quand Hérode s'est plaint, il est parti la tuer à cause d'enfant Jésus. Dans toute la Judée, il a tué les enfants. Il a tombé deux ans, ça va, mais ok. J'ai tué tous les enfants mâles. À cause de toi, ils sont en train de détruire tout autour. Regardez comment Dieu a fait. Dieu les a, Dieu a caché Jésus. Quand vous voyez l'apparition de Jésus à Jérusalem, Dieu dit, celui qui en voulait la vie de l'enfant est mort. Entre à Jérusalem. Vous comprenez? Celui qui en voulait à la vie de l'enfant est mort. Il y a des gens qui doivent tomber. Amen. Au nom de Jésus. Pour que tu puisses t'asseoir sur le trône tranquillement. Amen. C'est quand David, Saül est mort, que David allait prendre le trône tranquillement, sans discuter. Il a pris le trône. Amen. Amen. Il faut. Amen. 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 C'est ça, c'est important. Il faut quitter vos vies. Ils doivent tomber. Amen. 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 Ils sont en train de te torturer dans le spirituel. Ils sont en train de te détruire. Tu fais brûler la tête. Mm-hmm. Amen. Amen. Tu ne sais même brûler la tête.
qui me fait qu'il pense au suicide maintenant. Ils vont tomber, dit amen. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Frère, vous savez que le temps ça se discute pas. Et quand vous là s'est levé pour lui, il va prendre la place de ce roi-là. On le tue. Vous dites quoi, comme ça? Si. Les pays monarques, on ne discute pas le trône. Jamais. Tu es le père en fils. Même si fils, ce n'est pas ton temps. Tu viens prendre et tu. Absolument, vous l'avez pris. Il est mort. Ce n'est pas le temps. C'est la mort du père qu'on prend le trône. Même si tu es prince, que le roi n'est pas encore mort, que tu veux faire coup de temps, tu tues. C'est comme ça. Parce que le trône, ça ne se discute pas. Non, on ne discute pas ça. De son vivant, tu vas discuter ça. C'est pour ça que, écoutez, David n'a pas discuté. C'est vrai qu'il était déchu. Quand David a vu le Saül, il a laissé Saül. Amen. Amen. Mais il savait, il était convaincu que le trône, quel que soit le temps, c'était sa place. C'est ta place le trône, dis amen. Amen. C'est ta place le trône. Ce trône-là t'appartient. Amen. 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 Il dit toujours, il dit moi, mon trône, tu as quitté où venir prendre ça. Tu as quitté où venir prendre ça. Faites les prières comme ça. Oui. Celui qui va vouloir prendre, qui meurt. Amen. On ne discute pas le trône. Frère, ça se discute pas. Et pour ça, tu as tué roi. Juste normalement, il peut dire. Oh, il y a des gens qui sont assis, si vous.